Je suis dans la galère, je rame sur un mode pack de Joram. Dans la neige, dans le froid, qu'est-ce que je fais là? Il me faut du bois pour me faire un feu de joie. Bienvenue sur Wintercraft, installe-toi, mets ton casque. On explore ce monde vaste. Évitons les endroits néfastes, mais tout est hostile, tout est glacial. Aucun hospice, que du bestial. Pas de mobile, c'est radical. J'espère au moins trouver un animal. T'inquiète pas, je gère. Chez moi, aujourd'hui je cherche des villageois pouvant m'aider, mais je n'en trouve pas. Les villages ici se font rares. Faut que je trouve un accès aux grottes. Cette idée n'est pas trop idiote, parce que je marche et ça fait une trotte. J'en peux plus d'avoir la tremblote. T'inquiète pas, je gère. Salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, une vidéo particulière. On est sur Minecraft, sur un modpack. Un modpack créé par Joram MC, que je salue, et qui s'appelle Wintercraft. Vous l'aurez compris, Winter, c'est l'hiver bien évidemment, et vous le voyez d'ailleurs sur ce fond magnifique. C'est un modpack donc créé par Joram, avec pas moins de 78 mods, juste insane, et j'ai trop hâte de le découvrir. On va le découvrir tout de suite ensemble, c'est parti, on va se créer un nouveau monde. Inutile de mettre la difficulté en difficile, parce que ce sera automatiquement mis, vous allez voir. Je suis assez curieux de voir comment on va s'en sortir, les amis. D'ailleurs, vous pouvez voir des petites astuces en bas à gauche. J'ai un petit papier avec toutes les astuces traduites en français, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop. Non mais frère, ouah, mais ça fait flipper là. Donc on est bien en difficulté difficile. Et on est carrément dans un monde carrément gelé. Évidemment, on est ralenti par la neige. C'est absolument frustrant. Je déteste absolument ces bruits d'ambiance. Bon, on va couper du bois. Évidemment, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et oui, on ne peut pas couper du bois comme ça. Il faut qu'on récupère des trucs. Alors attendez, normalement il faut qu'on récupère des bâtons. On peut récupérer des bâtons et des ficelles en cassant l'herbe. Ça va nous permettre de crafter une sorte de hache pour qu'on puisse couper le bois. C'est très compliqué, hein. Les crafts normaux sont complètement différents. Voilà, ça ne marche pas. Du coup... Ah, là on a une ficelle, donc c'est pas mal. Il nous faut du silex et un bâton. Je pense qu'il faut que je casse des feuilles pour avoir des bâtons. Ça me paraît un peu plus logique. Bah voilà, j'ai récupéré des bâtons. Donc j'ai ce qu'il faut, il me manque plus que du silex. Je crois que j'ai de la chance.
Parce que clairement, dans les grottes, normalement... Alors oui, alors il y a beaucoup de zombies et ils vont nous spotter de très loin. Et ça fait putain de peur, surtout du gravier. J'ai trop peur. J'ai trop peur, je ressors. Je ressors avec mon putain de bloc de gravier. J'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Voilà, on va essayer d'avoir du gravier comme ça. Enfin, du silex. A noter qu'on ne peut plus poser de blocs en dessous de soi. Ça, c'est aussi une nouveauté avec les mods. Je ne peux pas faire une tour en dessous de moi. Ce qui est absolument compliqué hein, sur Minecraft. Oh, je vais chialer. Non, mais c'est pas possible d'avoir si peu de chance. Je suis clairement dans la merde. Bon, on va essayer de voir si on peut pas trouver des animaux pas loin. Si on peut peut-être... Eh, éventuellement, alors... Les villages, apparemment, sont très rares. Oh, putain! Il m'a fait peur, cet ours. Bon, on va laisser tranquille l'ours, hein. On va laisser tranquille l'ours. Est-ce qu'il y a un village là-haut? Non, c'était un arbre. Donc, les villages sont vraiment très, très rares. Et s'il y en a, ils sont en général dévastés. Mais si on trouve un village qui est encore bon, bah c'est insane. Alors, les loups, il faut pas trop s'en approcher. Ouh, un portail du Nether. Non, ça c'est pas des loups, c'est des ratons laveurs. C'est très mignon. On a un portail du Nether. Il y a un coffre. Oh ! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc là, je vais pouvoir crafter ma pioche. Je sais plus c'est quoi le craft. Et voilà, j'ai ma petite hache. Et là, je vais pouvoir enfin couper du bois. Ah, quel bonheur. Oh putain, je me suis... Oh là, ça m'a fait peur. Ça, c'est cool par contre. Merci pour la pomme. Oh là 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 là. Du coup, est-ce que je peux, par exemple, crafter... On va voir, attendez, parce que je sais pas. Hein. Est-ce que je peux crafter quelque chose de... somme toute classique? Par exemple. Bien sûr que non. Ça ne fonctionne pas. Alors là, je me sens parfaitement con parce que je ne sais absolument pas comment on craft une épée. Et ça, et voilà, là, ça me fait une pioche. Ok. Mais je peux toujours pas me faire d'épée. C'est fort ennuyant. Bon, j'ai débloqué des nouveaux crafts. Lavande. Je crois que la lavande, ça se mange, non? Si je dis pas trop de conneries. La lavande, ça se mange, non? Je suis pas sûr. On a des petits oiseaux tout mignons. Une citrouille. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Il y a des loups. Ça, ça m'a pas l'air très gentil. Bon. Le soleil se couche. Le soleil se couche. Et je suis bien dans la merde. J'ai un briquet par contre. Ça, c'est cool parce que les briquets vont nous permettre d'allumer nos torches. A noter que quand on posera nos torches, elles seront éteintes. C'est un petit peu problématique. Bon, donc moi j'ai une pioche. Là, ce qu'il faudrait, c'est du charbon. Et en plus, on est tellement ralenti par la neige. Bah, du coup, ça épuise. Casser des blocs, en plus, ça prend 30 ans. C'est une expérience, pour le moment, assez frustrante. Et en plus, effrayante. C'est un mélange de frustration et d'effraiement. Par contre, là, ici, je suis dans un coin sympa. Il me faudrait juste que j'éclaire. Non, c'est trop. Bon, alors là, par contre, va falloir que je fasse face. Ok, bah ça me donne de la ficelle. Non, j'ai du sang qui coule. Ok. J'ai du sang qui coule pendant 10 secondes, donc forcément, je souffre et je perds des cœurs. Ça, c'est vraiment pas nice. Ça, c'est vraiment pas nice. Ce serait quand même dommage de mourir de cette façon. Je peux me faire un couteau. Ok, je vais me faire un couteau. Ça va me défendre. C'est pas une épée, mais c'est un couteau, c'est déjà pas mal. Ok, on a un couteau. Maintenant, il faudra que je régène. Et j'ai pas assez pour régène, j'ai le seum. Là, je casse ma pioche en 2-2, là. Ah ouais! Ah là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Bon, bah, j'en refais une. J'en refais une. Et maintenant, j'ai plus de flint. Voilà, donc je suis un petit peu dans la merde. Oh, putain. Le zombie en plus il marche super vite. Je peux pas trop courir parce que je vais trop m'épuiser. J'entends un loup. Faut pas trop s'en approcher des loups non plus. En fait on peut pas faire grand chose. Par contre c'est très beau là. Pardon. Ah. Pardon. Non là je suis dans la... Ça me fait trop peur. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des fantômes?
Oh non, mais c'est trop... Ah ouais... Ça me fait trop peur. Ok, les loups, il faut pas trop s'en approcher parce qu'ils sont gentils, mais si tu les approches trop longtemps, ils sont méchants. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sa mère l'hypopète. Oh putain, non, ça revient, c'est trop. Attends, là on est tranquille, il y a plus de neige. Champignon. C'est quoi ça? Dégagez, je suis armé. Oh merde, non, c'est trop. Je pensais que j'allais y arriver, mais l'araignée. En plus, elle a tissé une toile, trop stylé. Non, là je suis vraiment dans la merde. Pour le coup, il me reste deux cœurs. Je peux pas manger la lavande, ni la canne. Je peux rien manger. Oh putain. Oh putain. Non, il y a trop de trucs. Non. J'aime pas ça, ça m'angoisse. Je veux pas mourir en plus. Ça m'angoisse tellement. C'est angoissant. Waouh. Il se pète dessus en plus. Aïe. Je me prends une flèche, je suis mort. Encore des méchants qui traînent. Bah oui, forcément. Ah oui, il faut savoir que les méchants ne brûlent pas hein, à la lumière. Hein, puisque du coup, il n'y a pas de soleil d'ailleurs. Il n'y a pas de soleil donc. Les monstres ne brûlent pas. Et ça, c'est très important à savoir. Beaucoup trop de paramètres. Je ne sais même pas comment Joram a fait pour faire son let's play. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Mais casse-toi! Mais c'est quoi cette merde? Mais je vais mourir par un truc, un poisson bizarre! Mais fous-moi la paix! Il y a une table de craft. Les gars, il y a une table de craft. J'entends un villageois. Oh putain! Oh non! Mais c'est pas possible! Bon, et bien voilà les amis, j'ai tenté l'expérience. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce mod pack. On dirait un peu un zizi quand même. Bon, excusez-moi. Bref, je voulais faire cette vidéo présentation parce que vraiment, j'apprécie beaucoup Joram. Et j'apprécie beaucoup ce modpack et j'aime beaucoup son travail. Et ça se voit que bah, quand il fait quelque chose, parce que c'est pas son seul modpack, bah, il le fait avec passion et il le fait vraiment, mais genre vraiment bien. Il le fait vraiment bien. Et j'avais vraiment envie du coup de vous partager ce modpack. En fait, au début, je voulais faire une petite aventure dessus. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, mais je vais jamais la tenir, nanana. Et donc là, j'ai voulu essayer pour un petit peu m'amuser sans prise de tête. Vous avez vu que j'ai survécu 20 minutes. Donc concrètement, c'est vrai que faire une aventure dessus pour moi, ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, je voulais faire une vidéo pour vous présenter ce modpack. Allez regarder le let's play de Joram sur sa chaîne YouTube, encore une fois, que je mettrai complètement en description. N'hésitez pas à aller voir. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup comment il fait en fait. Sa manière de faire, j'aime beaucoup. Et même si je comprends toujours pas comment il fait pour gérer, quoi. C'est insupportable de voir à quel point t'es nul. Mais il est très fort. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que je vous ai peut-être fait découvrir eh bien, soit le modpack, soit Joram, soit les deux. Ce serait vraiment cool. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit like, allez voir la description. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. Et sur ce magnifique coucher de soleil sous la neige, je vous dis ciao, bye bye.